Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés au fil de l'information et dans ce flot. J'ai pêché, comme vous le savez, je pêche. Une déclaration d'un monsieur qui s'appelle Wolfgang Schäuble. Je ne sais pas si je le prononce bien en allemand, mais j'imagine que c'est comme ça que ça se prononce. Et ce monsieur est ministre fédéral des Finances, en Allemagne, bien sûr. Ce monsieur est né le 18 septembre 1942 et il appartient à l'Église évangélique allemande. Et voilà ce que ce monsieur a déclaré le 16 avril dernier, donc 2015. Je vous lis sa déclaration. La France serait contente que quelqu'un force son Parlement, mais c'est difficile, c'est la démocratie. Fin de citation, il a fait cette déclaration devant le Brookings Institution, qui est un think tank à Washington, aux États-Unis. Alors, à la suite de ces déclarations, pour tout vous dire, ça m'a démangé, et comme vous le savez, quand ça me démange, je viens me gratter devant vous. Et je n'avais pas de commentaire à faire vraiment, finalement, et je me suis dit qu'une lettre à son attention, parce que c'est plutôt ma façon de faire, en tous les cas, une lettre à son attention, serait pour le coup un bon grattage, si je puis dire, pour éviter la démangeaison en question. Et donc je lui ai écrit une lettre, et je sais que ça peut être un peu fastidieux pour vous, je le comprendrai, mais je vais quand même vous la lire, cette lettre que j'ai écrite. Et donc je lui ai dit, monsieur, je réponds à votre, monsieur Schäuble, je réponds à votre déclaration, que vous avez fait donc il y a quelques jours, et je vous réponds ceci. Vous êtes né donc, je vous rappelle ça date de naissance, 18 septembre 1942, vous êtes donc quand le sort allemand commençait de basculer à Stalingrad. Vous vous souvenez peut-être que Stalingrad a commencé, la bataille de Stalingrad a commencé en septembre, c'est fini en février, début février 43. Donc septembre 42, février 43, a fait un nombre de morts considérable, on estime entre 400, 500, enfin bref, vous savez que compter les morts c'est jamais facile, et quelle utilité ça peut avoir sinon donner l'ampleur d'un massacre, et qu'à partir de ce moment-là, la conquête de la Russie était terminée par l'Allemagne, était achevée, et qu'en fait le début de la fin allait commencer. Donc je lui rappelle cette histoire, évidemment, hein, parce qu'il faut qu'il se souvienne à quelle époque il est né. À partir du moment où ça a basculé, vous savez comme moi que la paix est arrivée, en tous les cas, l'arrêt des combats est arrivé en 1945, quelques années après sa naissance. Et il avait en fait 11 ans, bien après ce conflit, enfin quelques années après ce conflit, quand les États-Unis, la France et le Royaume-Uni a réduit la dette de son pays de 62,6% exactement. Donc, et je lui dis, vous aviez 11 ans quand les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont réduit de 62,6% la dette de votre pays. Et c'était ce qu'on appelait l'accord de Londres. Et cet accord prévoyait que votre pays pouvait suspendre les paiements en cas de conjoncture défavorable. En d'autres termes, si l'Allemagne se trouvait en difficulté économique, alors elle avait le droit auprès de ses créanciers de suspendre les remboursements de la dette. Et l'accord prévoyait aussi que le service de la dette est fixé en fonction de la capacité de paiement de l'économie allemande. En d'autres termes, si je ne peux pas servir la dette, eh bien parce que l'économie allemande, mon économie n'est pas favorable, alors je ne sers pas la dette. Et puis, il faudrait rappeler, alors je ne sais pas si je suis dans une lettre finalement, vous voyez, je fais des commentaires, donc je ne sais plus très bien si je suis dans une lettre, mais je l'avais écrit comme une lettre. Hein. L'article 5 de cet accord renvoie à plus tard le règlement des réparations et des dettes de guerre. L'article 5, donc, de cet accord envoie plus tard le règlement des réparations et des dettes de guerre aux pays qui ont été occupés et martyrisés par l'Allemagne à l'époque. Les dons pour aider votre pays, monsieur Schäuble, et votre pays défait, en ruine, s'élèvent à 13,5 milliards de dollars. En d'autres termes, alors, des dollars 2014, hein, ou 2015,
pas les dollars de l'époque, ça, je sais plus quel était le montant exactement des dollars d'époque, mais ça équivaut, si vous voulez, à 13,5 milliards de dollars en dons. Monsieur Schäuble, vous êtes le ministre des Finances du pays le plus puissant d'Europe. On ne pourra pas nier que c'est vrai. On pourra pas nier que c'est vrai. Industriellement, j'entends. Mais pourquoi êtes-vous le pays le plus puissant d'Europe? Parce que des vainqueurs, vos vainqueurs, ont été magnanimes et compréhensifs. Plus qu'ils ne l'ont été d'ailleurs en 1918. Et il me semble que cette magnanimité et cette compréhension est bien supérieure à celle dont vous faites preuve aujourd'hui, monsieur Schäuble. Et notamment à l'égard de la Grèce, mais à notre égard particulièrement, après vos déclarations. Vous ne devez finalement votre puissance et le fait que vous soyez ministre de cette puissance que grâce à l'aide des pays que l'Allemagne a martyrisés. Et au pardon, même s'il est difficile, et pour certains plus difficile encore, mais au pardon que vous ont offert ces pays, dont la Grèce. Quant à votre souhait de recours à la force contre le Parlement français, puisque c'est le souhait qu'il a évoqué dans cette déclaration qu'il a faite, que je vous ai lue tout à l'heure. Auriez-vous l'intention de nouveau passer par les Ardennes? Vous voyez évidemment l'évocation historique que je fais à ce moment-là. Pensez-vous encore que vous disposez de divisions de Panzer et de Stuka? Rappel pour ceux qui ne connaissent pas, les Stuka, c'était des avions de chasse des forces allemandes à l'époque, pour forcer notre Parlement, comme vous dites. Pour forcer votre Parlement, comme vous dites. Notre Parlement, comme vous dites. Alors j'espère qu'évidemment il avait passé en tête, je ne pense pas d'ailleurs, pour tout vous dire. Mais quand même, forcer fait appel à un rapport qui n'est pas celui, notoirement, qu'on doit instituer dans des pays qui sont en paix. Même si on a déclaré une nouvelle guerre, et dont la guerre économique. Et donc, je dis à ce monsieur Schäuble, je vous invite à vous souvenir de votre histoire. Le souvenir vous aidera à lutter contre votre arrogance, parce que je crois que, pour le coup, c'est une arrogance quand on souhaite faire appel à la force. Puis-je vous rappeler les textes qu'en tant que luthérien, si, que vous devez probablement connaître, puisqu'il est luthérien, il fait partie de l'Église évangélique, je crois que je vous dis ça au début. Vous savez que dans les textes luthériens, on dit c'est pas la peine d'aller faire de la charité, c'est pas la peine d'aller aider les gens, c'est pas, etc. Si vous n'avez pas la foi, si vous avez la foi, alors ces gestes-là vous viendront, alors ces gestes-là seront naturels, alors ces gestes-là seront inspirés par votre foi. Et donc, si vous avez la foi, monsieur Schäuble, vous êtes donc charitable et généreux. Au moins les deux vertus luthériennes connues. Et si vous n'étiez ni charitable, ni généreux, vous n'auriez pas la foi. Vous seriez donc soit dans une posture, soit un imposteur. Monsieur Joblet, vous parlez d'un excellent français, d'après ce que je sais. Vous savez ce que ces mots veulent, que les mots veulent dire dans notre langue comme dans la vôtre. Vous savez donc ce que le mot force veut dire dans votre langue comme dans la nôtre. Je voudrais juste rappeler à Monsieur Joblet à cet instant, vous rappeler Monsieur Joblet, puisque je m'adresse à lui, que l'Europe allemande s'est anéantie dans les ruines de Berlin. Et à l'époque, vous aviez 3 ans. Vous étiez né donc dans ce pays en ruine. L'histoire aurait à vous apprendre, 70 ans après, que la force, comme vous dites, ce mot que vous avez utilisé, que la force est une défaite de la pensée. Et en l'occurrence, monsieur Schäuble, une défaite de votre pensée. Voilà ce que je voulais dire à monsieur Schäuble. Vous avez vu, j'ai mélangé, mais c'est pas grave, j'espère que vous m'avez compris. J'en veux pas particulièrement à ce monsieur, j'en veux quand il a ce pouvoir-là et cette audience-là. Et que nous ne réagissions pas, parce que, encore une fois, quand on fait appel à la force, alors vous savez comme moi que les misères sont au bout, que les dévastations sont au bout.
Alors vous pourrez éventuellement rétorquer ou objecter que le mot a dû lui échapper ou les mots sont ce qu'ils sont quand même. Nous employons des mots comme vous et moi, et j'espère que nous avons la conscience des mots que nous employons. Et quand nous avons la conscience, nous savons très bien que nous pouvons faire beaucoup de dégâts. Je ne crois pas qu'un homme politique de cette envergure, qui est passé par pratiquement tous les gouvernements de Kohl à Merkel aujourd'hui, donc avec une longévité qui lui a permis d'apprendre ce que les mots veulent dire, eh bien, je crois qu'il y a quelque chose qui vient de se produire, me semble-t-il, et qui n'est pas inquiétante fondamentalement, mais qui révèle quelque chose. La force contre la démocratie. D'ailleurs, ne dit-il pas dans sa déclaration au Brookings Institute, ne dit-il pas, que je la recite, que je ne me trompe pas, ne dit-il pas, la France serait contente que quelqu'un force son Parlement. Il faudrait qu'il voie comment la France peut être contente d'ailleurs, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais c'est difficile, c'est la démocratie. Et oui, mais c'est difficile, c'est la démocratie. Et ce qu'il veut, ce finalement, ce qu'il en veut au peuple d'être des démocrates, puisque effectivement, s'il n'y avait pas de démocratie, ce serait facile. Et cette espèce d'aversion, en tous les cas de combat qu'il est en train de mener comme une guerre contre la Grèce, lui et bien entendu ses affidés. Alors les affidés sont dans tous les pays, rassurez que M. Schäuble se rassure. Chez nous, nous avons M. Sapin et M. Macron qui rentreront, qui forceront le Parlement. D'ailleurs, ils l'ont déjà prouvé puisqu'ils ont utilisé l'article 49.3 pour faire passer leur loi. Donc ils forcent bien le Parlement. On est bien dans une logique schäubléienne, si le néologisme peut nous servir. Donc que ce monsieur Schäuble se rassure, mais c'est vrai aussi qu'on voit bien que cette aversion qu'il a pour la démocratie se manifeste par ce combat contre la Grèce qui me paraît d'un autre âge. Il me paraît d'un autre âge. Voilà ce que je voulais dire sur mes démangeaisons et la façon dont je me gratte. Je ne sais pas si Monsieur Schäuble a encore des déclarations à faire, mais nul doute que s'il en a une prochaine et qu'elle est du même acabit arrogant, alors je ne me gênerai pas pour m'allonger sur ce canapé-là et vous faire part des malheurs que j'ai avec ce monsieur. À très bientôt, je ne sais quand, pour une prochaine déclaration insupportable d'un politique. Au revoir.